Merci, mon cher camarade. Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier Henri Laborie de Poitiers, qui me demande de saluer les camarades de notre fédération, des membres de notre bureau et secrétariat fédéral, et plus particulièrement le secrétaire général de la fédération Yves Cotelat et le secrétaire général adjoint Denis Basset. Ce que je fais avec plaisir, d'autant que je partage à 100% les propos et l'intervention que Yves a tenue au titre de la fédération. Mes chers camarades, il est dans la tradition de notre mouvement ouvrier, quand des camarades passent la main, que nous saluons le travail qui a été effectué. C'est ce que nous pratiquons dans nos syndicats, dans nos unions départementales, dans nos fédérations, dans notre confédération. Et je crois que cette tradition n'a pas lieu de ne pas être respectée. Et de ce point de vue, j'adresse mes sincères félicitations pour le travail effectué par l'ensemble du bureau confédéral. Et je dis bien l'ensemble du bureau confédéral sans exclusive. Et j'adresse un salut particulier, notamment à la demande de mes camarades de mon syndicat, aux camarades qui cessent leurs fonctions. Je veux parler de Marie-Alice, de Anne, je veux parler d'André, Jocelyne, et avec une pensée plus particulière et affectueuse pour Michel, qui fait partie de notre fédération, avec laquelle nous avons eu tant à travailler ensemble, et bien entendu à l'égard de notre secrétaire général Jean-Claude Mailly. Oui, Jean-Claude, les camarades de notre syndicat ont toujours été heureux et fiers de t'avoir comme secrétaire général. Je ne vois pas pourquoi je le cacherai aujourd'hui, puisque je te l'ai toujours dit. Mes camarades, nous sommes bien dans un syndicat, dans un congrès de notre confédération. Des camarades m'ont dit, m'expriment, me disent, ça fait un peu partie de ping-pong. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce type de partie de ping-pong. Nous avons déjà eu des congrès homériques où ça y allait franco. Mais mes camarades, je crois qu'il y a une petite différence avec nos congrès antérieurs. C'est ce que l'on appelle Internet. Et là où nos débats resteraient finalement restés relativement confinés entre nous, ils ont aujourd'hui une qualité d'être très publics et d'être suivis à la lettre. Et de ce point de vue, la manière dont relate la presse nos débats fait apparaître non pas une discussion, mais des divisions entre nous. Et cela, mes camarades, n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon pour une bonne et simple raison. Nous avons besoin, c'est un indéfectible besoin, d'être rassemblés, d'autant plus que dans cette période, mes camarades, nous sommes confrontés tous et toutes, tous secteurs confondus, effectivement à la remise en cause de nos acquis sociaux, effectivement à toujours plus de chômage, effectivement à la remise en cause de nos fondements. Et cela, personne ici ne peut l'accepter. Personne ne l'a accepté, pas plus dans la salle qu'à cette tribune. Alors, mes camarades, nous sommes d'accord sur ce point. Et si nous sommes d'accord sur ce point, c'est quand même bien d'en faire le constat, de l'exprimer, plutôt que de ne mettre en avant que les difficultés ou les nuances. Oui, le débat est indispensable. Il est indispensable pour construire nos revendications. Mais mes camarades, je ne crois pas que l'on construise le compromis sur la base d'une opposition systématique entre nous. Je le dis très sincèrement et très franchement. Alors, mes camarades, gardons l'esprit de la discussion pour permettre de faire le compromis, parce que nous sommes confrontés, je le disais, à ces difficultés. Dans mon établissement, 1,5 million de déficits, 15 postes qui sont remis en cause, le tout sur un fond déjà de conditions de travail complètement dégradées. Cette situation, c'est celle qui est relatée partout. Ce sont nos camarades de tous les établissements qui en font état, avec ce qui se passe au niveau des GHT, etc. Oui, mes camarades, nos adhérents, celles et ceux qui payent une cotisation, attendent de nous
que nous soyons unis pour faire front face à ça, et non pas que nous soyons divisés, mes camarades. C'est ça le plus important. Alors, quand j'entends quelquefois « nous avons tous la fougue militante », on se laisse emporter quelquefois par nos propos, la tribune peut être grisante, même pour moi, mais quelquefois j'ai le sentiment, du moins je l'espère, que des paroles dépassent la pensée, parce qu'il n'y a pas d'un côté des bons et faux qui parleraient d'une telle manière et des mauvais et faux qui parleraient d'une autre manière. Les seuls bons et faux, ce sont ceux qui payent leur carte syndicale. Moi, ça fait 35 ans que je paye la carte syndicale à mon syndicat de base. 35 ans que je m'évertue d'être le premier syndiqué dans mon syndicat de base pour pouvoir dire à ceux qui auraient des états d'âme pour reprendre la carte de la prendre. C'est ça l'important. Alors oui, oui, il faut mobiliser. Oui, je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure mon ami Yves à la tribune. Oui, la mobilisation est indispensable. Oui, la situation dans laquelle, à laquelle nous sommes confrontés nécessite une mobilisation massive. Oui, une grève interprofessionnelle massive. Mais, mes camarades, si cela ne dépendait que des 3500 délégués rassemblés dans cette enceinte, il y a longtemps que nous l'aurions fait. Mais on sait, mes camarades, je ne dis pas ça pour paraître des propos des mobilisateurs, la difficulté qu'il y a à mobiliser, la difficulté qu'il y a à dire la nécessité de faire la grève. Plus on s'éloigne de la problématique de notre unité, de notre service, plus c'est compliqué à faire. Alors, mes camarades, et j'en ai bientôt fini, camarade président. Merci. Alors, oui, mes camarades, si on veut construire cette mobilisation, oui, mes camarades, si on veut faire obstacle à la politique de Macron, oui, mes camarades, si on veut faire obstacle à la politique du MEDEF, oui, mes camarades, si on veut faire obstacle à cette politique d'austérité destructrice pour la fonction publique, pour le secteur public, comme pour le secteur privé, oui, mes camarades, si on veut affronter les élections professionnelles, notamment dans la fonction publique, de la meilleure manière qui soit, je le répète et je le redis avec force et vigueur, nous devons être unis, rassemblés, trouver les voies du compromis, et cela sera le seul moyen de pouvoir soutenir l'action du futur bureau confédéral et du futur secrétaire général. C'est que comme ça, et ce ne sera pas par le régime des petites phrases assassines dans la presse, qui ne correspond pas à la tradition du mouvement ouvrier. On s'explique quelquefois virilement à la tribune, mais pas en dehors de l'organisation. Faisons ça, discutons fermement. Nous sommes des gens convaincus, mais trouvons au bout du bout les voies du compromis qui nous permettra de gagner face à l'austérité, face à l'ensemble de la destruction de nos droits. Alors que vive la Confédération générale du travail force ouvrière, et gardons ce principe qui était énoncé par Marc Blondel, révolutionnaire dans nos aspirations, réformiste dans nos pratiques. Que vive la Confédération. Merci Jean-Claude pour le travail que tu as accompli et bon vent au nouveau bureau confédéral.